بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صلي وسلم على محمد وال محمد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ونحن على هامش مهرجان روح النبوه الثقافي العالمي النسوي بنسخته السادسه وفي صدة ولاده الكثير من الافكار وان شاء الله المشاريع للقابل من الايام وكذلك هذا الامر ان شاء الله يطال حتى النسخه المقبله بمشيئه الباري عز وجل حواراتنا مستمره مع المشاركات والضيفات والحاضرات في فعاليات هذا المهرجان اليوم ضيفتنا في هذا الح الحوار من بلجيكا وهي الأستاذة إيزابيلا بريل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبارك لكم ذكرى ولادة السيدة الزهراء عليه السلام وأيضا حضوركم في هذا المهرجان Et je vous remercie pour l'invitation et je vous représente aussi mes meilleures félicitations à l'occasion de la naissance de cette illustre dame Fateme Zahra. est Il faut savoir que donc, je viens de Belgique et que euh, je pensais vivre dans un pays de démocratie, de, démocratie, de liberté, d'égalité homme-femme. Où tous les gens peuvent avoir les mêmes droits. Et je me suis rendu compte que quand je suis devenue musulmane dans les années 84, le fait de faire le choix d'être visiblement musulmane par le port de mon foulard m'a a fait prendre conscience que, en fait, la réalité était toute différente et qu'il y a beaucoup d'injustices qui existent encore sur notre, dans notre pays. Alors, je vais prendre plusieurs exemples sur lesquels je travaille. Donc, premièrement, donc, je me suis rendu compte que pour qu'une femme dans notre société dite moderne puisse avoir les mêmes droits, euh, et être libre dans ses choix, il faut qu'elle s'inscrive dans le modèle normatif où on sexua sexualise son corps, où on l'objetise pour des raisons de commerce et de mercantilisme. Et donc, pour moi, accéder en tant que musulmane voilée aux études et à la profession, je me suis retrouvée face à plein d'obstacles. Et donc, j'ai décidé, suite à cette expérience, de développer un travail associatif sur le terrain avec plein d'autres femmes musulmanes et même des féministes non musulmanes qui ont milité avec nous pour que nous soyons, soyons libres de nos choix et que nous puissions accéder au travail et à l'école et donc à l'éducation. Pour ce, nous avons commencé à faire du lobbying auprès des hommes politiques, auprès des syndicats. Nous avons organisé des conférences et nous avons essayé de développer tout un travail de déconstruction des préjugés dans lesquels on nous enferme pour justifier les interdictions, dont entre autres l'idée que la femme soit soumise à l'homme. Et donc, nous avons travaillé sur cet aspect-là. Un autre aspect que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de femmes, encore à l'heure actuelle en Belgique, mais je pense que c'est un problème qui touche tout le monde, les femmes sont encore victimes de violences. Des fois domestique donc dans le cadre familial ou dans d'autres domaines et nous avons pris conscience que nous sommes en partie responsables de notre ignorance qui entretient finalement des injustices en tant que femmes musulmanes chiites nous avons des sources et des références magnifiques pour nous construire pour faire valoir notre émancipation dans le cadre des références chiites avec entre autres l'emblème de Saïda Fateme Zahra que la paix soit sur elle et donc nous avons décidé de tenir des réunions et d'organiser une association avec une revue qui publiait donc toutes nos études et nos recherches pour nous rapprocher notre identité de femmes chiites à travers nos devoirs, nos responsabilités, la manière de gérer les relations dans la vie de famille, nos responsabilités sociales et donc à partir de notre identité chiite, nous en sommes arrivés donc à la conclusion de comment investir les combats et les débats qui nous concernent dans la société afin d'y contribuer. Un troisième aspect, c'est que nous avons des familles, donc nous avons des enfants, et qu'à partir du moment où nous voulons leur transmettre nos valeurs, dans les sociétés occidentales, nous perdons quelque part nos enfants parce que finalement, ils sont dans l'obligation scolaire, ils passent plus, la plupart de leur temps confrontés aux écoles et à la vie de société qui est opposée à nos valeurs, qui est opposée à nos principes et à nos croyances. Et donc j'ai essayé avec différents amis de voir comment développer des activités pour les enfants, entre autres à travers du scouting musulman, donc du, du scoutisme. Donc c'est euh, des activités dédiées aux enfants pour essayer de leur transmettre des valeurs spirituelles dans le retour à la nature et euh, d'autres aspects aussi, c'est-à-dire que j'ai été investi de responsabilités et élu dans un conseil des musulmans auprès des autorités belges pour défendre le droit des musulmans de manière générale euh, afin qu'ils aient les mêmes droits que les autres croyants que nous avons en Belgique, sans oublier le dialogue interreligieux. Parce qu'à travers les attentats du 11 septembre 2001, des barrières de racisme et de discrimination grandissaient entre les différentes communautés. Et donc j'ai travaillé beaucoup dans ce secteur-là aussi. طيب أه، انضمامكم الى هذا المهرجان دخولكم في اجواء المهرجان بدايه اخذ انطباعكم عن تلاقح الافكار اللي دارت في مناخات هذا المهرجان ثقافات مختلفه عقول نسويه مختلفه استقطبتهم جميعا شخصيه السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ضمن مناخات هذا المهرجان كيف كان انطباع عن هذه الاجواء تحديدا Donc, Parce que donc je suis visiblement musulmane et que je suis différente de la norme qu'on cherche à nous imposer. Et donc c'est un sentiment de désagréable à vivre au quotidien. Quand je suis venue d'abord ici en Irak, euh, j'ai l'impression de me sentir accueillie chez moi dans le sens où je me retrouve avec des personnes qui partagent les mêmes convictions les mêmes valeurs je vois des femmes super engagées super actives et qui militent toutes finalement pour un projet qui est un idéal de contribuer à la société dans laquelle nous, voulons, nous vivons afin de résorber les problèmes les injustices et les difficultés de nos sociétés personnel et euh, le fait de rencontrer que ce soit des femmes irakiennes ou des femmes qui viennent d'autres pays avec ce même objectif et cette même identité, c'est vraiment un moment de joie, un moment euh, radieux qui m'enrichit, qui me donne de la force et de l'énergie parce que je sais que je vais rentrer chez moi chargée par tous ces partages et ces échanges de richesses que j'ai pu avoir avec ces différents profils de femmes qui sont différentes sur certains aspects, mais parce que nous avons tous le même élan, c'est chercher à honorer la pensée du chiisme, c'est chercher à honorer la pensée de notre grande et illustre dame Fatima Zahra salam, et de pouvoir se ressourcer dans ce qu'elle nous apprend pour pouvoir faire face aux différents combats que nous, que nous menons tous. Et donc, d'un côté, cet aspect d'échange et de rencontre est vraiment euh, très bénéfique. Ça me permet de me réapproprier et de me renforcer dans ce que j'ai à faire et dans ce que j'ai comme alimentation spirituelle. Et deuxièmement, le fait d'avoir pu euh, bénéficier des visites dans les lieux saints, c'est une manière en tout cas de renforcer son lien avec nos imams infaillibles et de pouvoir se réapproprier leur histoire aussi. Et donc c'est vraiment, euh, j'ai l'impression de faire une, une cure, en, en Europe on dirait une cure de jouvence, mais c'est une cure de réappropriation, de renforcement, de réenrichissement de toutes les valeurs spirituelles auxquelles je crois et qui me font un bien énorme. Donc je rentrerai chez moi chargée, inshallah, pour continuer toutes les tâches et les combats que j'ai à mener. هذه الأجواء إن شاء الله أكيد دفعتكم أو حفزتكم لأنه تكون لكم إن شاء الله على المستقبل مشاركات مقبلة في هذا المهرجان أني أسمع منكم تفاصيل إن شاء الله أكثر وأكثر فيما يخص أنه حضرتك حضرتي إلى محاضرات واستمعتي إلها حضرتي إلى ندوات من ضمن فعاليات هذا المهرجان يعني طلعت على دراسات وبحوث المشاركات وأكيد حتى وإن كنت أي مستمعة ضيفة ومستمعة نتساءل هل استشعر أو أحسستي بصور جديدة تجلت لك من شخصية أو أبعاد شخصية السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فيما يخص يعني البحث نفسه من نماذج البحوث التي عرضت مثلا أو لربما من المحاضرات اللي استمعتوا لها وخصوصا أنه حضوركم ما كان فقط في أرض كربلاء المقدسة وإنما كانت هناك أيضا فعاليات لهذا المهرجان لكن في مدينة النجف الأشرف مدينة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نسمع انطباعكم وما تريدون أن تقولوا فيما يخص هذه الأجواء صراحة تحديدا فيما يخص هذه البحوث بإذن الله تعالى بعد أن نأخذ هذا الفاصل نذهب الى هذا الفاصل ثم لنعود حياكم الله من جديد ونحن نعيش خلال هذه الفترة النتائج الإيجابية في ختام فعاليات مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي بنسخته السادسة هذه النتائج الإيجابية المبكرة والمتسارعة كانت على لسان ضيفاتنا وتحديدا من خارج العراق حوارنا إن شاء الله مستمر مع الضيفة العزيزة من بلجيكا الأستاذة إيزابيل برل إذا نسمع من حضرتك انه الجلسات اللي حضرتيها والمحاضرات اللي استمعتي الها وبقيه ندوات وفعاليات هذا المهرجان كان لكم حضور استمعتوا وكان اكيد حتى على مستوى الشخصي ردود افعال تكون على المستوى الايجابي فيما يخص ما طرح كبحوث كمشاركات في كربلاء المقدسه وفي النجف الاشرف نسمع تعليقكم حول هذا الموضوع تفضلي tout le travail des femmes que je viens de constater dans les conférences. Parce que je pars d'un constat, c'est d'analyser dans quel contexte est-ce que vous arrivez à mettre en place toutes ces activités. Alors, il est important de resituer que vous êtes euh, active et en construction d'un projet de vie et de réforme d'une société, mais sur une base des désastres que la colonisation a eu sur euh, le peuple irakien depuis des décennies, à ma connaissance, ben, le pouvoir tyrannique de Saddam Hussein, les guerres imposées d'Aesh et toute cette misère sociale et économique qui a, à ma connaissance, affaibli tout l'accès aux droits de la population. Alors, ce que je constate, c'est qu'alors que vous avez un terrain historique comme je viens de décrire, je vois des femmes engagées qui ont décidé de travailler sur leur prise de conscience que pour faire évoluer une société, pour apporter des réformes, le premier acteur et le premier vecteur de changement, c'est l'éducation, l'éducation de la femme, l'éducation des enfants et l'éducation de la famille. Alors, ce que j'ai constaté, donc, dans un premier temps, c'est que ce sont toutes des femmes qui, je suppose, représentent une élite de la société, qui ont décidé de prendre à bras le corps cette urgence et cette priorité qui est de travailler sur l'éducation. Et je vois, machallah, des femmes épanouies, des femmes savantes, des femmes expertes qui prennent en main toute une organisation une conférence qui apporte un contenu qui est le résultat de leurs études et de leur propre construction personnelle et je salue en tout cas cette initiative des femmes que je trouve vraiment très réjouissante parce que ça fait très chaud au cœur euh, ce constat-là. Deuxièmement, donc je vois qu'à travers les conférences, à travers des sujets qui sont euh, amenés au-delà de la connaissance générale qui permet de développer une expertise, d'avoir un diplôme sur un sujet précis, je vois vraiment qu'il y a une prise de conscience que pour protéger l'éducation de la femme et lui permettre de s'émanciper, pour donner aux enfants les valeurs afin de devenir des adultes humains et responsables et pour avoir une famille solide, ce n'est pas le tout d'avoir des études et une connaissance générale, il faut absolument la lier avec la connaissance spirituelle et la seule connaissance spirituelle à ma connaissance par mon expérience que j'ai en tant que belge à travers tous les, les mouvements idéologiques, politiques et historiques qui ont tous été voués à l'échec et qui ont toujours qui ont tous euh, travesti l'idéal d'une meilleure société, je vois que vous avez réussi à vous inspirer de la seule voie pour moi qui peut permettre à l'humain d'être vraiment en phase avec son humanité, avec sa spiritualité, avec les valeurs selon les enseignements divins, puisque vous avez choisi en tout cas de fortifier l'éducation spirituelle à travers les enseignements de Halal Bayt. Et donc quand je viens ici, et quand je vais visiter l'imam Ali, que je visite l'imam Hussain, où j'ai eu la chance donc, euh, à Najaf de visiter la, la, la mosquée qui est dédiée à notre grande dame Fatima Zahra et à Salam, je, je vois vraiment une chance que vous avez de pouvoir vous rapproprier le contenu des personnalités de nos imams infaillibles, qui sont les seuls modèles pour moi qui permettent à l'humain de trouver la réalité de son humanité et qui permettent de trouver la voie de son épanouissement dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà, et qui est le seul outil qui peut nous protéger contre les déviances d'une éducation comme on l'a en Europe qui pervertit l'être humain à travers ses passions et ses pulsions bestiales. Comme nous le savons, on est confronté à ces politiques de genre qui visent à détourner les gens de leur nature propre et originelle, que je demande. برايكم استاذة كيف ساهم هذا المهرجان في تشكيل الهويه الثقافيه المجتمعيه والمكانيه؟ تفضلي. Je pense que c'est important de situer que donc je viens de Belgique et j'ai un parcours de vie où, en tant que femme, j'ai cherché à voir comment me libérer de l'emprise masculine, comment faire face aux injustices et comment trouver un modèle qui me permette de me construire, de me construire en phase avec mes croyances et en phase avec mes convictions. Donc, il se passe qu'à travers le chiisme mais entre autres à travers le modèle de Saïda zara Zahra, alayhi salam, j'ai trouvé la manière qui me semble la plus parfaite d'avoir un modèle qui m'oriente dans mes choix de vie personnels pour me construire, pour mener mes combats contre les injustices, pour transmettre le message et les valeurs de l'islam authentique tel que le prophète l'a euh, révélé, parce que je pense que c'est la voie qui mène l'humanité à sa sérénité et à au vrai... Euh, au vrai objectif qu'on doit avoir dans notre vie. Alors en rencontrant donc ces femmes iraniennes, euh, irakiennes qui sont investies sur le terrain à travers leurs conférences et les sujets qu'elles ont menés, je me rends vraiment compte avec plaisir qu'elles ont pris pleinement conscience, que pour pouvoir être acteur pleinement de toutes les dimensions d'une femme dans le modèle spirituel que Dieu le veut à travers le Halal Bayt, que le modèle par excellence à suivre, c'est Sayyida Fatim Zahra à travers toutes les facettes de sa vie qu'elle a menées en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, mais en tant qu'actrice associative qui défend son père, qui défend les valeurs du chiisme, qui défend les droits et qui se positionne contre l'injustice dans des milieux masculins et dans toutes les nécessités de la vie. Et je vois vraiment donc ces femmes irakiennes qui ont pris conscience que pour apporter des réformes dans leur pays, pour trouver la stabilité des familles, pour pouvoir permettre à cette société un avenir meilleur, que c'est à travers ces enseignements-là, à travers ces modèles-là qu'il faut s'inspirer pour pouvoir grandir et apporter le changement nécessaire à leur société. Il y a plusieurs choses directement auxquelles je pense, en tout cas. Euh, il y a une prise de conscience sur laquelle il faut travailler, mais pas seulement moi, je pense tout le monde. Nous sommes face à une guerre médiatique. Donc nous avons les effets du colonialisme à différents niveaux avec les guerres tactiques sur le terrain et euh, sous différentes formes. Mais nous sommes face à une guerre médiatique qui vise d'un côté ben, à renvoyer une image négative et de l'Irak et des femmes. Mais de manière générale, en tout cas par rapport aux positions politiques que tous les musulmans prennent dans le monde, par rapport à tous les conflits dans le monde, nous avons un travail de force à faire sur cette guerre médiatique en investissant tous les réseaux sociaux. Donc c'est sûr que moi, si je peux y contribuer, je vais certainement valoriser la réalité de ces femmes engagées, de ces femmes intelligentes, de ces femmes brillantes qui militent clairement pour leurs droits, pour la construction de leur famille, pour construire une société meilleure. Et je ferai tout mon possible, en tout cas, pour être le relais et l'étendard de ce cas à quoi je crois, mais de ce que je constate dans cette société aussi. Il faut savoir aussi que de... c'est la deuxième fois que je... Vis dans le cadre de cette conférence euh, et que l'année passée quand je suis revenue en Belgique avec une autre amie qui a partagé ce voyage aussi nous avons décidé enfin ce voyage nous a donné nous a ressourcé à un point tel que ça nous a donné de l'énergie pour relancer un nouveau projet pour protéger nos enfants et pour travailler sur leur éducation et donc euh, toutes ces expériences que nous échangeons c'est un ressourcement c'est un enrichissement qui nous redonne de l'énergie et donc ça nous a permis entre autres depuis l'année passée de lancer un projet familial où on prend soin des enfants pour leur transmettre à travers des activités pédagogiques et ludiques, tous les enseignements et les valeurs telles que le chiisme et, et, et notre sainte famille euh, du prophète que la paix soit sur eux, nous enseignent dans notre vie au quotidien. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour euh, ces moments riches d'enseignement, ces moments riches d'échanges qui ont permis en tout cas à ce que je me sente grandi et renforcée dans ce que j'ai apporté. – Donc il y a des projets qui des comme

Ce travail là c'est un travail que je fais depuis des années c'est c'est ma, ma passion c'est ma responsabilité et euh, donc de travailler sur la déconstruction des préjugés sur les images négatives qu'on a envers les, les musulmans donc vers les envers les, les non musulmans de travailler sur la réappropriation d'une identité d'un modèle islamique tel que Fatem zara peut l'être mais pas seulement pour les musulmans pour les non musulmans aussi et donc euh, et pas seulement pour les femmes pour les hommes aussi je trouve que le modèle de saïda fatam zara c'est un modèle d'humanité qui qui permettent de trouver une voie d'émancipation pour tous les êtres humains. Et donc, à travers notre vie, je pense qu'on est tous responsables de briller et de porter l'étendard de cette valeur et de cette personnalité emblématique qui a la capacité, à travers les temps, à travers les sociétés, à travers les civilisations, à travers les, les différences géographiques, de donner un modèle d'humanité pour tous les êtres humains, en fait. Et donc, c'est à nous de vivre constamment la source qu'elle est et qui enrichit et qui nous construit personnellement. Donc euh, je continuerai avec ce que vous m'avez transmis comme connaissance, avec ce que vous avez transmis comme énergie à porter cet étendard et je réinvestirai tout ce que je peux dans toutes les activités que je mène sur le terrain. cette période ces <coughs> jours dans moi, je suis enchantée par euh, ce festival. Mais personnellement, je fonctionne dans une manière où je cherche toujours à faire mieux la prochaine fois. Et donc, je suis toujours en recherche qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Et je pense personnellement qu'en tout cas, il y a une richesse et un savoir et des moyens et un résultat que vous avez dans ce que vous entreprenez. Et je pense que toutes les femmes présentes dans cette organisation ont toutes une compétence, que ce soit avec un doctorat ou sans doctorat. Je, je pense qu'on a tous un bagage qui, si on arrive à mieux échanger, parce que je sais qu'il y a le problème linguistique qui est une barrière, mais si on arrive à mieux échanger sur les compétences de chacun, je pense qu'on pourrait tous s'enrichir des expériences mutuelles qu'on a et qu'on pourrait tous se fortifier là où on est. Et donc c'est un espoir et c'est une demande peut-être que je formule, que si on arrive à faire sauter les barrières linguistiques, qu'on arrive tous à s'enrichir mutuellement, parce qu'on peut tous devenir plus forts tous ensemble. احسنتم تذهب الاستاذه ايزابيلا تعود الى بلدها بالسلامه ان شاء الله يا ترى تعود باذن الله تعالى في النسخه المقبله وبصفه مشاركه او باحثه في بحث يخدم قضيه السيده الزهراء يخدم المراه المسلمه سواء في بيئه مسلمه او غير مسلمه En tout cas, si mon expérience peut être utile, en tout cas, ce sera vraiment avec plaisir et honneur que je participerai avec un écrit et avec une production personnelle qui puisse donc enrichir les autres. Premièrement, deuxièmement, mais je tiens quand même aussi à resituer que la chance de ma présence je le entre autres dû à l'invitation de l'organisation mais je pense aussi que ce sont nos imams qui décident de qui vient ou de qui ne vient pas et je voulais juste faire euh, par partager l'expérience que j'ai connue cette fois-ci il faut savoir qu'il y a plus d'un mois j'ai été invitée par une autre organisation mais ça ne pouvait pas se faire dans les conditions euh, qu'on me proposait. Et puis, quelques semaines auparavant, quelqu'un du Canada m'a contacté. Et, euh, j'ai envoyé mon CV, j'ai envoyé mon passeport. Puis, je n'ai pas eu de nouvelles, Et puis, subhanallah, il y a deux semaines, j'ai été contactée, donc, par une autre sœur directement à qui j'ai recommencé les démarches. Et finalement, cette troisième fois-là, bon, moi, enfin, ma prise en charge et mon invitation se sont mises en place. Et donc, je, je pense que ce sont pas seulement nous, c'est Dieu, ce sont nos imams aussi qui font que nous sommes invités, et que nous avons cet honneur d'être présents. Et je tiens vraiment à remercier tout le monde, mais à remercier aussi nos imams infaillibles qui nous permettent d'être présents et de participer ensemble. C'est moi qui vous remercie du plus profond de mon cœur pour cette belle occasion. إلى هنا نصل إلى الختام في "أمان الكريم".